On va maintenant creuser ce sujet avec la première table ronde sur les enjeux et les solutions pour la mobilité des seniors. Alors pour ça, je vais inviter à me rejoindre les intervenants. Véronique Volto, conseillère départementale de Haute-Garonne, vice-présidente de la commission permanente et chargée de l'action sociale des seniors. Bienvenue Véronique, vous pouvez vous installer peut-être ici à côté de moi. Je vais inviter ensuite Éric Charéron, directeur vision et prospective des modes de vie de la mobilité chez Keolis. Merci. Nous avons ensuite Philippe Lowick, médecin généraliste et agréé pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite, président de l'Automobile Club Médical de France et membre du Conseil national de sécurité routière. Et Julie Catala, directrice régionale Nouvelle-Aquitaine chez WeMove. Alors sachez que Monsieur Luc Broussy, président de France Silver Eco et président de la filière Silver Eco, est présent également. Il va suivre cette table ronde parmi vous dans le public et ensuite il viendra nous donner lui aussi son avis. Déjà, premièrement, réaction et votre apport d'expertise sur les chiffres de l'étude qui nous a été présentée sur la mobilité des seniors. Je commence avec vous, Véronique Volto. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'ores et déjà vous remercier pour votre invitation. Je crois qu'il est important de nous retrouver, acteurs publics, acteurs privés, pour évoquer ce sujet de la mobilité des seniors, qui est une grande préoccupation. Les chiffres ont été présentés, donc je ne vais pas y revenir. Cela dit, effectivement, le vieillissement de la population est un constat aujourd'hui assez évident, et l'on doit anticiper les réponses apportées à cette question qui va se poser de façon de plus en plus prégnante, notamment dans le domaine rural, dans le secteur rural, dans les zones périurbaines et donc rurales. En zone urbaine, les transports collectifs sont quand même relativement présents. Et le vice-président en charge des transports de la région l'a évoqué. Donc la région est organisatrice des transports et nous a donné délégation au département sur le transport interurbain. Donc effectivement, nous intervenons sur le territoire de la Haute-Garonne auprès de l'ensemble de la population et en particulier auprès des seniors, et nous prenons également en considération la question du déplacement des personnes en situation de handicap. Donc le constat que vous faites à partir de cette étude rejoint bien évidemment le constat que nous faisons dans le département de la Haute-Garonne. Donc je n'ai pas de précision à apporter, sinon quelques chiffres que je développerai peut-être après l'intervention des personnes qui sont à côté de moi. Très bien, mais oui, on va continuer sans doute s'exprimer sur cette étude. Donc je pense qu'il est important effectivement de partager le constat pour ensuite élaborer ensemble des réponses. Voilà. Très bien, merci beaucoup Véronique. Éric Charéron, également votre réaction sur cette étude et votre apport d'expertise. Mes réactions sont nécessairement très positives parce que je pense que c'est un sujet qui est malgré tout un peu oublié ou abordé uniquement par quelquefois un petit bout de la lorgnette, qui est importante, hein, mais je veux dire, on n'embrasse pas la totalité de ce continent des gens qui sont mis dans une seule catégorie, les seniors. Alors je trouve, enfin, après c'est une petite remarque, dire plus de 55 ans, c'est même un peu beaucoup. Mais ce qui est assez frappant, c'est que même si on prend les plus de 65 ans, qui sont quand même 13 millions en France, quand on prend les plus de 75 ans, ils ont progressé de 45% depuis l'an 2000. Alors vous me dites, 45%, ça représente quoi? J'ai toujours, ils sont plus de 6 millions, c'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux que les collégiens et les lycéens. Dans toutes les politiques de mobilité universelle, on donne beaucoup plus de poids à l'approche et au traitement des jeunes collégiens et des jeunes lycéens, y compris notamment dans les dessertes des zones peu denses, que bien évidemment aux personnes qui sont âgées de plus de 75 ans. Et je ne prends que les plus de 75 ans. 13 millions de personnes qui ont plus de 65 ans, je dis toujours, entre 75 et 95 ans, il y a une durée qui est plus longue qu'entre la maternité et la fin de mes études en médecine en 9e année. Et donc c'est difficile, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait dans la présentation des études, où on raisonne par tranche d'âge, par revenu, etc., parce que bien évidemment, on ne peut pas simplement appréhender ces problèmes-là que sur une seule variable. Donc il y a tous les critères qui ont été vus, revenu, localisation, etc. Je voudrais juste en évoquer deux autres. Il y a bien évidemment la forme physique. Alors la forme physique, il y a ceux qui sont en forme, il y a ceux qui sont fragiles et ceux qui sont dépendants.
Et la forme physique, elle est liée, alors moi je suis pas un spécialiste, je laisserai M. Loïc en parler, mais la forme physique, elle va dépendre de la sénescence et le vieillissement naturel du corps, alors des problèmes de vision, la cataracte, la presbytie pour tout le monde, etc., des problèmes d'audition, des problèmes d'arthrose, 60% des personnes de plus de 65 ans souffrent de problèmes d'arthrose par exemple, mais c'est aussi les problèmes de maladie. C'est-à-dire qu'on oublie aujourd'hui que 45% des gens qui sont en affection longue durée, pris en charge par la Sécurité sociale, ont plus de 65 ans. La grosse caractéristique de ce que je viens de dire et de cela, ça ne se voit pas. 2 millions, à peu près 1 million, 800 000 de personnes qui sont suivies pour des troubles vasculaires coronaires, plus d'1 500 000 personnes pour des conséquences de tumeurs malignes, et à peu près 1 500 000 personnes pour des problèmes de diabète. Ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problèmes de fatigabilité, quand on parle des problèmes des seniors, que ce soit par la sénescence ou les fragilités, le traitement des maladies, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Et le dernier point que je voudrais juste évoquer, peut-être encore, c'est ce problème, et c'est pour ça que l'âge est très important. L'âge à santé. L'âge, pourquoi c'est important? Parce que, bien évidemment, on gomme toujours l'effet génération. Si je suis né en 1930, j'ai connu la Seconde Guerre mondiale, j'ai connu les restrictions. Si j'étais une femme, je n'ai pas le droit d'exercer. Je n'ai pas le droit d'exercer un métier sans l'autorisation de mon mari avant 34 ans. La réforme du code Napoléon, c'est 1964. Si je suis né en 1950, bien évidemment, je suis arrivé, j'étais contemporain d'une génération qui a fait mes 68. Je n'ai pas dit que je l'ai fait. Je suis contemporain d'une génération qui l'a fait, si je suis né en 50. J'ai eu, si j'étais une femme, le droit, l'accès, grâce à la loi Neuwirth, à la contraception orale. J'ai eu droit en 73 avec la loi Veil à pouvoir disposer de mon corps. Mais j'étais quand même dans une société qui était marquée par le tout automobile quand j'étais jeune. C'est-à-dire que jusqu'en 73, à la crise du pétrole, mes souvenirs de jeunesse, ils ont été formatés par des transports publics qui étaient totalement absents du monde rural et des petites et moyennes villes. C'est-à-dire que toute mon adolescence et ma jeune adulte, mon côté adulte, a été fait dans une société, c'était la voiture qui était dominante, c'était la ville qui s'adaptait à la voiture, pas l'inverse. Et donc ça, notamment dans les villes moyennes qui n'ont pas pu se payer ou financer des tramways autres, bien évidemment, je reste marqué par ça. Puis si je suis né entre les deux, je dis juste au passage, si je suis né en 1940, quand je suis parti à la retraite, j'ai pas de mobile. Parce que le mobile, le Nokia 2000, les Nokia qui ont été beaucoup vendus, les 3310 et 3210, c'est en 99-2000. Donc je suis parti à la retraite, ça n'existait pas. Et si je suis né en 1930, je reviens juste sur cela, quand je suis à la retraite et que je suis une femme, la génération, il y en a encore qui n'ont pas le permis de conduire. Mais on s'est rendu compte, et vous le savez bien, que dans beaucoup de ceux qui ont le permis de conduire, des femmes qui ont le permis de conduire, qui se retrouvent veuves, j'ai la voiture, mais je ne sais plus m'en servir. Parce que ce n'est pas moi qui conduisais, c'était mon mari. Et je me retrouve avec la voiture et les clés de la voiture sans pouvoir m'en servir. Par contre, je pourrais utiliser les transports publics ou d'autres solutions, et on le voit bien dans l'étude sur l'information, mais je n'ai pas les clés pour comprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment un élément important. Et donc, le point final, c'est juste pour dire, voilà, il faut, aujourd'hui, la majorité des fragilités des seniors sont invisibles. Comme on est dans une société de la performance, alors je ne dis pas qu'il faut frimer, mais on est dans une société où on n'a pas envie de dire qu'on vieillit, qu'on n'a pas envie d'étaler ses problèmes. Mais bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les enquêtes, la majorité des gens ne disent pas leurs problèmes. Comment vous voulez faire émerger le problème? Je vais vous donner un exemple tabou. Comment vous faites émerger dans une réunion publique le fait que vous avez besoin d'aller souvent aux toilettes? Alors, quand on fait accompagner les gens, qu'est-ce que les gens nous disent? Moi, j'ai découvert il y a 6 mois dans les qualis, c'est que les gens disent, mais moi, je préfère la voiture, parce qu'il y a des toilettes publiques dans les parkings des centres-villes. Il n'y en a pas dans les lieux de correspondance d'échange. Comment je fais? Je suis diabétique, peu importe les problèmes, etc. Je ne peux pas compter dessus. Donc là, ça veut dire qu'un, il y a une espèce de fragilité invisible. Comme elle est invisible et que dans une société où il faut affirmer sa performance, ben on ne l'exprime pas. Comme on ne l'exprime pas, elle est cachée. Et comme elle est cachée, elle est incomprise. Et nous, acteurs publics, on a énormément de mal à s'adapter. Donc il faut vraiment faire émerger, et cette étude va y contribuer, il faut réellement faire émerger la parole, libérer la parole, pour que les gens puissent, naturellement, qu'on puisse conscientiser, comprendre ce que ça veut dire quand on est confronté à un certain type de difficultés pour pouvoir s'y adapter après, mais ce sera... Merci beaucoup Éric Chérion pour ce retour dans le passé aussi, qui explique les impacts que ça a aujourd'hui. Merci pour ce témoignage. Philippe Loïc, à vous également de nous faire part de vos impressions suite à la présentation de l'étude.
Oui, alors, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de parler de ce sujet parce qu'effectivement, la mobilité, c'est la santé. Ça, c'est vraiment une première conviction que j'ai. Bouger, c'est vivre. Mais la relation est symétrique. Vivre, c'est bouger. Enfin, moi qui suis un homme du Nord, j'adore Jacques Brel qui disait « je vais aller voir ». Et « je vais aller voir », ben, nos patients seniors nous le disent tous les jours. « Je vais aller faire un tour ». Ça veut dire qu'il faut... parfois qu'il y a un but, mais parfois pas forcément un but, c'est sortir de chez soi, parce que quand on ne sort plus, quand on ne bouge plus, quel que soit le moyen, alors moi je préside un automobile club médical, automobile club, donc je ne suis pas autophile, évidemment, personne n'est autophile, parce qu'il faut insister sur cette multiplicité, cette multimodalité, c'est le mot à la mode maintenant, et effectivement, personne n'est exclusivement piéton, exclusivement cycliste, exclusivement automobiliste, exclusivement utilisateur de transport en commun. Donc cette mobilité multimodale, c'est quelque chose d'essentiel, mais il faut absolument insister pour dire que se déplacer, bouger, c'est la vie sociale, c'est l'autonomie, c'est voir des choses, c'est regarder des choses, c'est aimer, c'est partager. Donc vraiment, la mobilité, c'est fondamental pour vivre. Et quand on perd cette mobilité pour une multitude de raisons, eh bien on entre dans un cercle vicieux avec l'isolement, la dépression, et moins on fait, moins on a envie de faire, et moins on sait faire. Et je voudrais réagir sur cette barre qu'on a donnée à 75 ans, à 55 ans. Je ne suis pas convaincu dans la vraie vie qu'il y ait des ruptures, vous l'avez souligné, aussi brutales que ça. Et on dit souvent, moi j'ai l'habitude de dire, il y a des jeunes jeunes, des jeunes vieux, des vieux jeunes et des vieux vieux, enfin. Donc les ruptures ne sont pas aussi brutales. Et il faut regarder les ruptures par rapport aux activités que l'on veut faire. Si je veux faire du sport de haut niveau, à 30 ans, je suis quasiment kakoshime. Si je veux parler dans des choses comme ici, à 55 ans, je commence à être un vieux, mais on se dit que j'ai un petit peu d'expérience. Donc j'ai vu un certain nombre de choses. Donc il faut relativiser, et ça a une autre importance. On a parlé de la rupture à 75 ans, et effectivement, c'est quelque chose que l'on constate, mais la rupture est rarement brutale. Les ruptures se font, sauf problème de santé aiguë, intervention chirurgicale, maladie grave, brutale, mais en général, les ruptures se font avec des marches que l'on descend. Et la différence, c'est qu'à 20 ans, quand on descend une marche, on la remonte. À 60 ans, on a beaucoup plus de difficultés à remonter les marches. Donc, il faut être très préventif, avoir vraiment cet aspect d'observation, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour prévenir tout au long de la vie. Et se dire que ben finalement, ce qui est bon pour la mobilité est bon pour la santé, ce qui est bon pour la santé est bon pour la mobilité. Et ne pas avoir un regard qui aille uniquement dans un sens. Et avoir tout le temps, moi je suis vraiment convaincu qu'il est fondamental d'avoir cette vision globale et prospective tout au long de la vie. Et ce que l'on n'a jamais fait à 20 ans, ce qu'on n'a pas fait à 50 ans, on ne va pas commencer à le faire. Et en général, on fait ce que l'on a toujours fait. On bouge comme on a bougé et on a peur du changement. Et plus on vieillit, plus on a cette crainte du changement. Ce qui veut dire que si on n'a jamais utilisé un transport en commun, c'est pas à 80 ans qu'on va commencer à l'utiliser la plupart du temps. Si on n'a jamais conduit, c'est pas à 80 ans qu'on va apprendre à conduire. Si on n'a jamais fait de marche, si on n'a jamais fait de vélo, c'est pas à 80 ans qu'on va apprendre. Donc il est très important pour moi, vraiment tout au long de la vie, et ça commence dès l'enfance, et le rôle des parents dans l'enseignement est quelque chose de fondamental. Ça commence dès l'enfance. Moi, je suis effrayé quand je vois les parents se garer n'importe où sur les bandes d'arrêt d'urgence, sur les pistes cyclables, je me dis que vont faire leurs enfants qui non seulement pourraient aller à l'école à pied, parce que dans nos générations, moi qui suis, j'ai découvert 55 ans, je suis passé dans la catégorie des seniors, et bien moi qui suis un senior, j'allais à l'école à pied ou à vélo, et ça ne posait pas de problème, les jeunes ne le font plus. Donc il faut vraiment avoir cet apprentissage tout au long de la vie à la multimodalité dans les déplacements. Et enfin, je voudrais dire qu'il est... C'est une hérésie complète. À mon sens, on a parlé de petite mort sociale tout à l'heure quand on a parlé de l'arrêt de la conduite, de vouloir exclure les vieux ou les seniors de la conduite. Il n'y a pas d'argument en matière de sécurité routière pour les exclure de la conduite. Quand on regarde les statistiques, j'ai toujours l'habitude de dire en plaisantant, quand on n'aura plus que les seniors à s'occuper, eh bien c'est qu'on aura gagné le reste de combat en matière de sécurité routière. Donc la visite médicale que certains proposent très régulièrement, des politiques, des médias, des choses comme ça, pour les personnes âgées, n'a aucun intérêt en bénéfice de santé publique, en bénéfice de sécurité routière, et surtout, on n'est pas capable, si on doit faire quelque chose, je n'ai pas dit qu'il ne fallait rien faire, mais ça n'est sûrement pas une visite médicale. Donc attention à cette chose-là, il faut vraiment vouloir préserver la mobilité des seniors. Très bien, merci beaucoup Philippe Loïc pour ces rappels de bon sens. Gilly Catala.
Vous allez effectivement nous parler de cette étude et surtout nous présenter les solutions de mobilité en Nouvelle-Aquitaine avec WeMove. Merci, bonjour à tous. Alors j'ai la lourde tâche de représenter WeMove sur cette table ronde et de passer après mes brillants collègues. Donc je vais commencer par réagir à l'étude et puis après je présenterai du coup effectivement les activités puisque comme l'ont très justement présenté Florence et Sylvain en introduction, on a démarré à titre expérimental en Gironde, donc c'est pour ça que c'est moi qui viens vous parler de ce qu'on fait. J'ai noté deux faits très intéressants sur l'étude. La première, c'est l'absence de différence notable entre les périmètres urbains et ruraux. Je trouve ça très intéressant que des chiffres le montrent parce que ça vient un peu déconstruire une idée qu'on a qui veut que en ville on a plein de solutions de mobilité, donc on n'a pas de problématique de mobilité, et c'est pas forcément vrai. Donc l'offre est importante, mais elle ne fait pas tout. Si on n'a pas envie de s'en saisir, si on n'a pas appris à s'en saisir, effectivement, vous n'irez pas plus loin. La deuxième chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est la méconnaissance des aides, qu'elles soient techniques, financières ou humaines, qui montrent qu'aujourd'hui, on a encore une marge de progression assez importante en termes d'optimisation de l'existant, avant même parfois d'aller chercher à créer de nouvelles solutions innovantes en utilisant le numérique ou autre. Donc du coup je ne vais pas revenir sur l'historique des activités de WeMove en Gironde puisque ça a été bien fait en introduction. Je vais plutôt me concentrer du coup sur la présentation très concrète de ce qu'on fait. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis qu'on a démarré les accompagnements en septembre 2015, ça représente un peu plus de 700 seniors accompagnés. Alors majoritairement pour l'instant en tout cas sur des communes plutôt urbaines, je préfère le préciser. Et l'étude a été très intéressante à ce niveau-là parce qu'elle m'a permis de constater qu'on accompagnait aujourd'hui en grande partie ce qu'on a appelé les seniors les plus vulnérables en termes de mobilité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour vous donner un ordre d'idée, on a un âge médian de 80 ans sur les publics qu'on accompagne et un revenu médian aux alentours de 1400 euros. Voilà, donc ça vous permet de situer un peu notre panel par rapport à l'étude présentée. Et on retrouve du coup toutes ces problématiques de santé, d'appréhension, tout ce qu'on appelle nous des problématiques psychosociales. Ça représente quand même 65% des freins identifiés. Donc très concrètement, le parcours mobilité qui est proposé par WeMove, donc c'est les conseillers mobilité qui pilotent ces parcours, commence par ce qu'on appelle un bilan de compétences mobilité, qui est un diagnostic qui va nous permettre, qui va permettre aux conseillers mobilité d'identifier les freins auxquels le senior fait face dans son quotidien. Et donc je rejoins ce qu'on a dit au départ, hein, révéler le besoin. On a des seniors qui ignorent qu'ils ont une problématique de mobilité, ben là du coup c'est le conseiller mobilité qui se rend à domicile pour faire ce diagnostic et qui permet de poser les bases. Et partant de ce constat, le travail du conseiller c'est vraiment d'actionner les bons leviers au bon moment pour lever les freins et pour permettre au senior de regagner tout ou partie de son autonomie sur ses déplacements. Alors pour les seniors les plus vulnérables, évidemment, ça sera une partie. Pour certains, ça sera de se maintenir. Et puis pour d'autres, ça sera vraiment effectivement ce travail d'anticipation. Leur faire prendre conscience que la mobilité, elle va changer. Et qu'au moment où elle va changer, progressivement ou brutalement, selon les cas, on aura les clés pour y répondre. Donc les différents services qu'on peut mobiliser, on les classe en trois catégories. On a des services pédagogiques, matériels, financiers. C'est le service pédagogique qu'on active le plus. Donc ça va être beaucoup de conseils mobilité. Donc on parlait d'optimisation de l'existant, on est complètement là-dedans. On a parlé du dispositif Sortir Plus. C'est très intéressant que vous ayez cité cet exemple parce qu'il est effectivement très peu connu, je le confirme. À la fois par les seniors, mais aussi par les professionnels qui sont agréablement surpris d'apprendre l'existence de cette aide financière pour du transport adapté et transport à la demande. Et voilà, c'est très peu connu. Donc on va être vraiment sur de l'aide à l'appropriation de nouvelles formes de mobilité, sur de l'accompagnement physique, comment je sécurise mes déplacements dans les transports en commun, hors de mon domicile, à pied, surtout quand j'ai le sentiment, et ça c'est très intéressant de l'avoir fait ressortir aussi, que l'espace public ne m'est plus adapté, que l'offre de transport, les abonnements ne me sont pas adaptés. Donc ça c'est pour les services pédagogiques, le service financier du coup j'en ai un petit peu parlé avec Sortir Plus, et on met aussi en œuvre des services matériels. On fait tester des solutions, des aides techniques. Je rejoins Monsieur Lovic quand il dit, en fait finalement il pose la question quand est-ce qu'on est vieux. Et une fois il y a un intervenant qui a dit quelque chose de très intéressant, il a dit je me suis senti vieux le jour où on m'a regardé comme un vieux. Et en fait il y a beaucoup de seniors qui ont une réticence à tester des aides techniques, parce que justement ils n'ont pas envie d'être regardés comme des seniors. Rollator, Cannes, et là du coup on monte des partenariats ou alors on monte des offres en propre pour faire tester ces solutions, enclencher un passage à l'acte, faire comprendre aux seniors que oui, ça peut être une aide et un confort au quotidien.
le repérage des seniors rapidement, et puis après je parlerai de l'impact de l'action. Donc c'est un travail minutieux qui est mené aussi par les conseillers mobilité, puisque les seniors, quand ils sont isolés, c'est difficile de les identifier. Donc on a plusieurs façons d'entrer dans le dispositif. Ça peut être une entrée directe par le senior ou son entourage non professionnel. On a parlé des aidants, ça peut être un aidant qui à un moment donné n'y arrive plus, ou un aidant qui se pose des questions sur comment aider son parent. Ça peut être des prescripteurs professionnels aussi, un CLIC, un CCS, un club senior, qui nous interpellent sur une situation, un senior qui ne vient plus à une activité, au repas. Et puis ça peut être une entrée collective, où là on va être plus sur de la sensibilisation, effectivement, sensibilisation aux changements de mobilité qui peuvent se poser aux seniors. Je terminerai par quelques chiffres en termes d'impact sur l'accompagnement. On m'a posé la question tout à l'heure en plus, mais finalement, est-ce que ce que vous faites, ça a un impact pour les seniors? Moi, j'ai envie de dire que oui. Pas seulement pour prêcher pour ma paroisse, mais on constate quand même, à la fin de l'accompagnement, puisqu'on mesure notre impact à la fin de l'accompagnement, une progression de la fréquence de sortie. 100% des seniors qui ne sortaient pas à l'entrée du parcours sortent de chez eux à l'issue du parcours. Et le travail des conseillers mobilité nous permet d'avoir une photographie à l'entrée et à la sortie des pratiques de mobilité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate une hausse de la marche de 10%, une augmentation du recours au transport en commun de 15% et de 50% pour tout ce qui est transport en commun adapté. Ça va être beaucoup du report, du taxi qui est extrêmement cher. On parlait du coût de la mobilité tout à l'heure vers les transports en commun adaptés et les dispositifs type sortir plus. Et on note une diminution de 15% de la voiture, que ce soit en tant que conducteur ou passager. Alors, on peut regretter l'absence à l'entrée comme en sortie du vélo. Je repose la question du regard qu'on porte sur les seniors. On entend beaucoup les seniors ne font pas de vélo. Ben, y en a qui ont envie. Et puis pour terminer, je vous invite à aller à la rencontre de nos équipes et puis aller voir l'exposition qu'on a mis en place, parce que c'est encore eux qui en parlent le mieux, parce que c'est eux qui sont au contact des seniors au quotidien. Merci. Merci, merci beaucoup Julie Catala. Donc ces solutions en Nouvelle-Aquitaine, Véronique Volto, je vais vous demander de réagir. On a vu beaucoup de bénéfices assez remarquables pour les seniors. Et comment aller plus loin selon vous? Donc en fait, le rôle du conseil départemental, vous le savez, c'est celui d'accompagner les politiques de l'autonomie des personnes sur le territoire de la Haute-Garonne. Un premier chiffre, donc en Haute-Garonne, une personne sur cinq est âgée de 60 ans et plus. Donc c'est déjà relativement important. On constate également que l'espérance de vie dans le département y est plus élevée qu'au niveau national. Et l'évolution de la pyramide des âges nous montre que notre population vieillira chaque année un peu plus. Donc ce qui nous conduit naturellement, effectivement, à nous questionner sur la place que nous souhaitons pour nos aînés et dans notre société. Donc c'est un thème qui est revenu à plusieurs reprises au cours de la matinée, ce thème d'une société plus inclusive. Donc c'est pour nous toutes et nous tous un défi social, sociétaire, économique et éthique bien sûr. Donc pour mieux répondre aux besoins actuels et futurs des personnes âgées et pour faire évoluer les réponses que l'on peut y apporter, nous avons dès le 16 octobre dernier voté le schéma en faveur des personnes âgées pour 2019 à 2023 avec un certain nombre de réponses qui sont plus ou moins transversales, et un des axes concerne bien sûr la mobilité. Donc il s'agit bien sûr d'anticiper donc tous ces impacts du vieillissement, et nous disposons de budgets relativement élevés. Uniquement sur les politiques du vieillissement, nous disposons d'un budget de 164 millions d'euros chaque année que nous pouvons donc déployer. Bien sûr, on a cité, on l'a vu sur les projections, donc la PAM, et bien sûr, ce n'est pas le seul dispositif qui existe pour faciliter la vie des personnes âgées. Donc il s'agit bien évidemment de favoriser l'inclusion, le vivre chez soi, puisque c'est aussi une volonté de la plupart d'entre nous d'entrer en établissement le plus tard possible. Et donc de vivre chez soi, bien sûr, dans les meilleures conditions. Donc nous accompagnons également, bien sûr, toutes ces politiques pour l'amélioration de l'habitat. Rompre l'isolement, je crois que c'est le fond du problème. Assurer aussi l'organisation territoriale en tant qu'institution, c'est aussi, cela relève de nos compétences. Et va faciliter l'accessibilité et la qualité de l'offre de services de proximité destiné aux personnes âgées. Donc tout cela est décliné dans notre schéma, que je vous invite d'ailleurs à consulter, puisqu'il ce schéma est sur le site internet du conseil départemental. Donc vous pouvez donc vous référer aux différents axes selon les politiques qui peuvent vous intéresser.
Donc nous avons en particulier sur le sujet que nous évoquons ce matin, proposé des partenariats avec les communes, les transporteurs et bien sûr la région Occitanie pour assurer donc un dispositif de gratuité des transports publics pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Donc ce nouveau dispositif a été mis en place pour permettre d'accorder à ces personnes des bons gratuits, donc qui sont valables sur les différents réseaux de transport, le réseau arc-en-ciel, le réseau régional de carrés de train, dans la limite de 24 trajets par personne et par an, donc dans le département. Ce dispositif s'adresse aux personnes non imposables, donc c'est un sujet aussi qui est revenu dans l'étude, le fait de disposer de moyens de se déplacer et les petites retraites, qui est aussi un sujet brûlant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une des réponses que le département peut apporter aux personnes qui ont des problèmes de mobilité, qui n'ont pas de gros moyens. Donc ce n'est pas le seul, bien évidemment. Le vice-président de la région a évoqué la question du dernier kilomètre qui peut mesurer parfois 5 kilomètres même. Donc c'est la problématique est une problématique financière pour les personnes, mais c'est aussi un problème technique de desserte dans les territoires ruraux en particulier. Donc nous avons mis en place ce partenariat ouvert à toutes les communes du département qui souhaitent y participer. Et ce dispositif aujourd'hui est important pour maintenir bien sûr les liens entre les personnes, cette vie sociale qui a été précisée ce matin, dans ce lien entre les personnes qui est très important. Et donc aujourd'hui 430 communes adhèrent à ce dispositif dans le département, mais seulement 145 sont utilisatrices des bons gratuits. Donc je crois qu'en termes de communication, effectivement, il est important aujourd'hui de continuer à communiquer auprès des communes pour qu'elles adhèrent à ce dispositif et faire connaître ce dispositif de bons gratuits, bien sûr, auprès des personnes. Aujourd'hui, nous communiquons à travers notre site internet, mais bon, ce ne sont pas les plus anciens qui vont sans doute y aller naturellement, mais les familles, les aidants peuvent disposer d'informations. Nous communiquons à travers le magazine du département et des flyers ont été distribués, mais c'est insuffisant, on le constate comme l'étude l'a fait ressortir tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous avons un règlement d'attribution. Donc 2000 bons sont accordés par an aux communes de moins de 9000 habitants, 5000 bons aux communes qui vont jusqu'à 50 000 habitants, et 10 000 bons pour les communes de plus de 50 000 habitants, mais bon, elles sont peu nombreuses dans le département. Ça représente aujourd'hui un petit budget, donc de 35 000 euros environ, au regard de ce qui pourrait être si le dispositif était connu. Je crois qu'il est important de le préciser. En 2016, donc avant que nous prenions cette compétence qui était gérée auparavant par un syndicat, le CITPAC, qui a été dissous donc par le préfet. Donc il y avait en 2016, grosso modo, j'arrondis les chiffres pour que ce soit plus facile à retenir, donc il y avait 2000 bénéficiaires et près de 13 000 bons gratuits pour donc 5 000 voyages en réseau arc-en-ciel, 7 000 avec la SNCF, 400 sur le réseau routier régional. Je précise également que pour ces personnes, la carte Pastel est gratuite. Donc ce sont des petites choses qui s'ajoutent et qui permettent effectivement d'accéder plus facilement à ces services. Le potentiel est loin des chiffres que je viens de citer, puisque d'après les études des services du département, que je remercie, je pense qu'ils sont dans la salle, pour le travail qui a été effectué sur ce sujet. Donc potentiellement, il y a donc 200 000 habitants de plus de 65 ans en Haute-Garonne, dont 38% des foyers non imposables, ce qui représente grosso modo 80 000 personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Donc on est bien loin des premiers chiffres que je vous ai donnés. Donc cela représenterait près de 600 000 bons gratuits pour un coût de 3,5 millions, dont 1,6 million, ce qui serait alors à la charge du département. Donc vous voyez, on est très loin des 35 000 euros que j'ai cités aujourd'hui, qui est le coût actuel. Hein. Donc effectivement, on pourrait déployer ce dispositif bien plus largement. Bon, ça représenterait bien sûr une charge de plus pour le département, mais c'est notre rôle que d'accompagner ces politiques publiques dans le domaine des transports et en particulier pour les personnes âgées. Voilà, la région et la SNCF ont mis de leur côté en place aussi de nouvelles réductions tarifaires, donc je crois que nous sommes tous conscients de nécessités. Et je voulais citer un dernier peut-être sujet qui est important. Oui.
Donc bien sûr, le transport à la demande que l'on accompagne dans les communes. Si je prends comme exemple celui de mon canton, je suis élue sur le canton de Léguevin, je suis élue à Grenade sur Garonne, l'intercommunalité des Hauts-Toulousains avait mis en place un transport à la demande. Celui-ci a été supprimé faute d'être connu par les personnes qui auraient été susceptibles de l'utiliser. Donc je pense que là aussi, nous avons un gros travail à amener tous ensemble pour mieux coordonner ces services et les faire connaître auprès de la population. C'est dommage. Donc ce n'est pas définitif. Si effectivement on parvient à mieux communiquer, cela permettra aussi d'avoir une meilleure desserte sur ces territoires, bien que cela peut poser des problèmes d'équité entre les territoires également, puisque chaque intercommunalité ne bénéficie pas des mêmes moyens. Et le problème est d'autant plus prégnant dans le sud du département, dans le Comminges, où les distances sont très éloignées pour se rendre chez le médecin ou dans les services publics. Voilà. Donc ce que je voulais donc signaler, c'est que nous soutenons également donc financièrement les communes pour aménager un certain nombre de voies, la mise en accessibilité, etc., l'adaptation des bus. Donc nous accompagnons toutes ces politiques-là. Et le tout dernier point, c'est la conférence des financeurs, puisque là, on accompagne les politiques innovantes. Je crois que ça nous, vraiment, on touche le fond du problème qui nous concerne aujourd'hui. C'est effectivement l'accompagnement de politiques nouvelles qui sont portées des porteurs de projets, donc qu'ils soient associatifs, qu'ils soient privés, donc qu'il s'agisse de collectivités locales, de CCAS. Donc cette conférence des financeurs a été mise en place à la suite de la loi d'adaptation de la société au vieillissement que tout le monde connaît ici, je pense. Elle est présidée par le président du conseil départemental. En l'occurrence, c'est moi qui la préside par délégation du président, avec donc l'ARS, les caisses de retraite. Donc nous avons, sur ces questions de mobilité, accompagné depuis la mise en place de cette conférence différentes initiatives pour un montant de 107 000 euros. Donc des porteurs de projets Brain Up, le CCAS de Colomiers, La Poste ou la Mutualité Française Occitanie qui ont porté des projets qui concernaient plus particulièrement la sécurité routière. Voilà, donc accrocher vos ceintures, garantir l'autonomie des déplacements des seniors, plaisir, sécurité, sérénité au volant. Voilà, pour vous donner ces quelques exemples, je crois qu'il était important de les signaler parce que ce sont des démarches complémentaires. Et je crois que voilà, le fin mot de cette présentation sera pour ce travail collectif que nous devons mener sur les territoires pour mieux accompagner les personnes qui aujourd'hui sont isolées. Voilà, merci. Merci beaucoup, Véronique Volteau. Beaucoup d'actions déjà menées donc, sur votre territoire et d'autres en cours. On voit un bel investissement. Éric Chavéron, avez-vous aussi quelques mots à nous dire par rapport aux axes de développement que vous penseriez possibles ? Aux axes de développement et qui s'appuient d'ailleurs sur les attentes qui ont été formulées dans l'étude. Alors moi, je m'inscris totalement dans ce qu'a dit aussi M. Loïc tout à l'heure, c'est-à-dire je pense qu'il faut travailler en amont sur la préfragilisation. C'est-à-dire qu'il faut travailler au moment où ça ne se voit pas, où il n'y a pas encore trop de problèmes. Enfin là, je partage entièrement ce que vous avez dit. Et c'est d'ailleurs très difficile à faire comprendre à nos partenaires, y compris en interne, que c'est à ce moment-là, il faut qu'on arrive à tout prix à éviter le renoncement, la déprise, l'enfermement sur soi qui effectivement a des conséquences néfastes sur l'équilibre. Donc il faut parler, et ensuite il faut parler, construire des solutions universelles. C'est-à-dire qu'il faut construire des solutions pour tous, pour toutes. Pourquoi ? Pour éviter la stigmatisation. On a vu qu'aujourd'hui, dans notre société, on n'a pas envie. Donc on a envie de pouvoir bénéficier dans toutes les études qualifiées que l'on a. Il faut que les gens puissent se sentir intégrés à la société. Alors pour ça, vous avez vu le premier point, la première attente, c'est l'information. Vous l'avez dit vous-même pour la méconnaissance du TADE. Alors là, il y a un point qui est quand même phénoménal. La digitalisation, elle doit être choisie, elle ne peut pas être imposée. Il faut qu'on en arrête avec cette société où on impose une norme, où c'est uniquement par le digital que tout doit se faire. Je veux dire, c'est pas possible. Il n'y a pas que des personnes âgées qui sont paumées avec ce monde-là. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même incroyable. On a fait une étude en 2016, elle vient d'être actualisée, dans des grandes capitales et des grandes villes européennes. Aujourd'hui, 8000 personnes qui ont été interrogées dans des grandes villes d'Amérique du Nord, d'Europe et en France. Ben là-dessus, il y a effectivement des gens qui sont très à l'aise, pleinement confiance, puis vous avez
plein de catégories autres. Vous avez les malgré eux, ils y vont, ils sont bien obligés. Mais quand on va sur le site des impôts qu'une fois par an ou qu'on a besoin de se déplacer qu'une fois par mois, c'est compliqué, il faut se retrouver. Alors, des fois, il y a des mots de code, voilà, on ne retrouve pas, enfin, il y a des mots de passe, etc., et on ne retrouve pas nécessairement. Donc, il y a les suiveurs, les malgré eux, ceux qui trouvent que ça va trop vite. C'est quand même pas compliqué de maintenir un minimum de liens humains. En plus, sachez, vous savez bien que dans les chiffres sur l'illettrisme, qui sont communiqués par l'Office français de lutte contre l'illettrisme, l'Observatoire, on ne s'intéresse qu'aux moins de 65 ans. Or, l'illettrisme, il monte avec l'âge. Il commence à 5% pour les tranches d'âge jeunes, et il finissait, il y a quelques années, à 14% pour les 55-65 ans. C'est ça aujourd'hui qu'ont plus de 65 ans. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas 2,5 millions d'illettres en France pour les moins de 65 ans. Il faut rajouter pratiquement 2 millions dans les personnes de plus de 65 ans. Donc ce maintien du lien humain, qui n'est pas forcément face à face, qui peut l'être, mais qui peut être aussi, on en parlait hier, en visiophonie, qui peut être uniquement avec un centre d'appel, mais avec des gens formés, avec des gens qui sont bienveillants, avec des gens qui sont prêts à réexpliquer. Ça veut dire que nous, enfin nous opérateurs, faut qu'on donne, ou qu'on travaille avec des associations, ou qu'on donne la possibilité à nos agents de comprendre les difficultés qu'ont les gens pour pouvoir bien les informer. Enfin, à mon avis, c'est absolument essentiel. Il y a bien sûr, alors, au niveau d'information, c'est quand même incroyable. Vous voulez vous déplacer, alors ça, on est plutôt dans l'environnement des villes. Hein. Dans l'environnement des villes, vous voulez voir vos petits-enfants, vous voulez aller, peu importe, la vie sociale, ville culturelle, mais vous ne savez pas que quand vous prenez la ligne numéro temps, qui est une sortie des internes du lycée horticole, qui fait qu'il y a plein de monde dans le bus. Vous ne le savez pas. Vous allez en Suisse, de l'autre côté de la frontière, vous prenez n'importe quel train de banlieue, vous savez qu'à 17h30, il est complet, mais qu'à 17h45, c'est bon. C'est-à-dire que c'est simple, hein, il y a des petits logos, prédictifs, vous vous renseignez, et les gens peuvent vous renseigner si vous téléphonez, pour venir ce train-là, vous n'êtes pas garanti d'avoir une place assise. C'est tout bête à mettre en place. Mais je veux dire, pourquoi on ne le fait pas? C'est-à-dire essayer d'aider les gens pour qu'effectivement le déplacement, on ne se retrouve pas mélangé avec plein de gens, mais que ce soit effectivement quelque chose de facile. Et puis il faut, ça a été mis dans l'étude, la nouvelle alliance transport public et marche à pied. Peut-être vélo, mais en tout cas, marche à pied, c'est le mode principal. Mais il faut que la marche à pied ne soit plus la grande oubliée des politiques publiques. Il faut réellement que quelque part, on réinvestisse complètement le champ de la marche à pied, au-delà des plateaux piétons, des artères piétonnes, qui sont très bien. Mais il faut vraiment qu'on arrive, y compris dans le monde rural. Dès que vous sortez des panneaux d'indication de la fin de la commune, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous faites quand vous, à 18h, l'hiver, il fait noir? Vous marchez dans quoi quand il y a une voiture qui arrive vers vous? Vous allez dans le bas-côté. Le cheminement piéton, c'est pas que dans la ville. C'est aussi dans le monde rural. Le dernier kilomètre, c'est aussi pour aller vers les hameaux qui sont autour des centres-bourgs, autour des gares. Et là, il y a un vrai problème. La marchabilité, c'est quoi? La marchabilité, c'est à peu près garantir. Alors, pour sortir de la stigmatisation, c'est je suis avec un jeune enfant, je suis en amoureux, où je suis en accompagnant une personne, un parent qui est âgé, je dois pouvoir croiser sur le même trottoir quelqu'un qui passe en face de moi, un parent avec une poussette, etc. Ou je peux me faire doubler par quelqu'un qui marche plus vite sans que je me fasse bousculer. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse ressortir dans les villes, dans les espaces urbains, les espaces de marchabilité, où là c'est possible, où l'éclairage intelligent il va s'allumer correctement, où les trottoirs ont été viabilisés pour que globalement j'ai pas peur de tomber, ce qui est quand même la peur majoritaire, la porte tombée, hein. C'est quelque chose qui est dans les freins à la mobilité parmi les plus importants qui ressortaient ici dans les études aussi qu'on a. Et le dernier point, les traversées piétonnes. Enfin, mais il suffit de traverser les frontières pour voir. Enfin, aujourd'hui, vous êtes un peu fatigué, vous marchez à 2 km/h. Vous traversez une avenue, vous commencez, c'est le feu vert. 3 secondes après, ça passe brutalement du feu au rouge. Et les voitures, elles ont toujours le feu vert. Donc elles font leur mouvement de tourne à droite et tourne à gauche. Et qu'est-ce qu'elle fait, là, la personne? Elle a le feu rouge, pourquoi elle est au milieu du carrefour? Mais dans les autres pays, vous avez quoi? Ben, vous avez un décompteur de seconde. Vous savez, ben, vous n'avez pas le temps, vous engagez pas. Mais ça, pour la sécurisation, quand j'ai vu que le principal frein, c'est la peur, ça y contribue à la peur. Parce que quand vous retrouvez quoi coincé comme ça, au milieu d'un carrefour qui passe brutalement du vert au rouge, et que vous avez les voitures qui cherchent à vous passer derrière, devant, etc., en faisant le mouvement, c'est vraiment une condition d'insécurité. Donc, vraiment, la marchabilité, elle doit être travaillée. Je voudrais juste dire encore, village, parce que, pour reparler du rural, dans le monde rural, on fait une toute petite erreur souvent. On met dans le même sac village et chef-lieu de canton, on en parlait hier soir. Le village, c'est aujourd'hui des lieux où il n'y a pratiquement plus de services.
Il y a quelquefois un café, la messe, il y en avait avant, il n'y en a pratiquement plus, il y a éventuellement une épicerie solidaire, même pas toujours, voilà. Le chef-lieu de canton, ça n'a rien à voir. Saint-Jean-Pied-de-Port, Moléon-Lichard, alors Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est 1500 habitants, Moléon-Lichard, 4000 habitants, c'est pas du tout la même composition de population que tous les villages autour. Vous avez à peu près 2 à 3 fois plus de personnes de plus de 75 ans en proportion dans ces chefs-lieux de canton, et vous avez 3 fois plus de personnes non motorisées. Pourquoi ? Parce qu'il y a un minimum de commerce. Il y a effectivement 2 généralistes, un dentiste. Alors, il n'y a pas toujours laboratoire d'analyse médicale. Il faut aller éventuellement dans un autre chef-lieu de canton. Vous avez la supérette, l'antenne postale, etc. Et le marché hebdomadaire. Donc, vous avez quelque chose qui vous permet de vivre. Or, souvent, le transport à la demande, qui a été conçu, je sais parce qu'on en a exploité dans d'autres régions, alors je vais pas dire, dans d'autres régions, on considérait que l'important c'était d'amener les villages sur le chef-lieu de canton. Mais le seul problème c'est qu'un chef-lieu de canton n'est pas égal à l'autre. Dire que vous allez avoir le généraliste qui est là, mais le dentiste est de l'autre côté, le laboratoire d'analyse médicale il va être dans un troisième village. Et on est en Occitanie, Saint-Jean-du-Gard et Anduze, c'est dans le même périmètre maintenant de la communauté d'Alès-Cévennes, mais vous n'avez pas les mêmes services du tout dans les deux villes. Vous avez quelquefois dans certains cas un cinéma, dans d'autres vous ne l'avez pas. Dans la mutualisation des équipements sportifs, dans les clubs réservés pour passer du bon temps, etc., c'est pas ça. Et puis la dimension sociale, c'est important. Mes amis, ils sont peut-être dans l'autre bourg. Et en fait, on ne s'occupe pas, on n'ouvre pas suffisamment les transports à la demande pour qu'ils marchent, en disant, voilà, sur ce périmètre-là, on permet aussi à des gens d'aller de bourg à bourg, parce que c'est là où il y a les gens qui ont le plus besoin. Dans le monde rural, mais dans les bourgs. Et on les oublie souvent parce qu'on considère que c'est les villages vers les bourgs. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est un élément qui me paraît relativement important. Et juste pour terminer, là, je rebondis sur ce qu'a dit aussi M. Luc tout à l'heure. On considère, c'est les normes de l'Organisation mondiale de la santé, que 65% des déterminants qui agissent sur la santé d'une population ne ressortent pas ni du système de soins, ni de la génétique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les conditions de l'environnement autour. Eh bien, il faut qu'en tout cas, nous, opérateurs de la mobilité, on prenne complètement notre part au fait que la santé, ce n'est pas qu'une affaire de soignants, et que la santé publique, c'est aussi le rôle des opérateurs pour faire en sorte que les gens puissent rester le plus longtemps autonomes, mobiles, pour maintenir le plus longtemps possible, repousser le plus longtemps possible le moment où on est dépendant. Ben, je crois que ça, c'est vraiment essentiel. Mais c'est une remise en cause complète. Hein. Chez nous, un opérateur, je m'adresse quelquefois à des gens qui ont du mal à comprendre cette reconversion qu'il faut que l'on fasse. Voilà, excusez-moi, j'ai peut-être été un peu... Mais c'est passionnant et on vous sent passionné, Éric Chavéron. Merci beaucoup. Revenir au bon sens, à l'humain, effectivement. Philippe Loïc, pareil, une réaction par rapport aux axes de développement suite à ce que nous a présenté Julie Catala avec WeMove. Oui, alors moi aussi, je rejoins complètement ce que vous avez dit, et notamment ce plaidoyer pour la marche, d'abord parce que j'adore marcher, et aussi parce que la marche, c'est la seule activité que tout le monde a fait. Tout le monde s'est déplacé à pied. On a tous commencé par se déplacer à pied. Vous vous souvenez, quand on voit en tant que médecin, quand on examine un nourrisson, docteur, quand va-t-il marcher ? Docteur, il a fait ses premiers pas. Et on le raconte à la mère, à la grand-mère, à tout le monde. Donc la marche, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas opposer les modes de transport les uns aux autres. Mais, à contrario, quand on dit « il faut que je sorte », les personnes âgées, que nous disent-elles, eh bien, c'est quand je vais à pied que j'ai le plus peur, pour les raisons que vous avez dites, parce que l'environnement est hostile, l'environnement est compliqué, l'environnement a changé. Avant, quand on marchait sur un trottoir, on avait une infime probabilité de croiser un cycliste ou de croiser une trottinette qui fût-elle maintenant trottinette électrique qui roule à 40 km/h. Donc on a un environnement, et nous le disions aussi hier soir, moi j'ai été effrayé, cette ville de Toulouse que j'ai découverte, où on a finalement beaucoup de zones piétonnes, mais qui ne sont pas vraiment des zones piétonnes, qui sont un petit peu mixtes. Je me dis, si j'avais 20 ans de plus et quelques problèmes auditifs, je serais absolument terrorisé, parce que quand on conduit, si on a un problème auditif, c'est pas très gênant. Quand on se déplace à pied, quand on a un problème auditif, et en vieillissant, on a de plus en plus de problèmes auditifs, c'est absolument terrorisant, parce qu'on reçoit les informations, bien sûr, par la vue, mais aussi par l'oreille. Et quand on entend arriver une trottinette électrique, c'est complètement silencieux. Un vélo, c'est complètement silencieux. Donc, il faut absolument réfléchir. Là, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je ne dirais surtout pas ce qu'il faut faire, mais il faut absolument réfléchir à ce partage de l'espace public. Et à mon sens, mais ce n'est pas un avis d'expert, faire en sorte que les zones soient séparées, que l'on puisse coexister et cohabiter ensemble.
Alors, pour revenir sur le sujet, eh bien, il faut savoir lever les craintes et prévenir, repérer les fragilités et intervenir à certains moments de rupture. Ça peut être des mouvements de rupture, des ruptures sociales. Je pense au moment de la retraite, par exemple. Quand on est en retraite, il est important de faire un bilan sur ses besoins de mobilité, ses envies de mobilité, ses capacités de mobilité. Et ce sont des choses qui ne sont faites par personne, finalement. Quand on va faire un bilan de santé, on parle très peu de mobilité. Quand on fait un bilan social, on parle très très peu de mobilité. Et pourtant, c'est important, encore une fois, dans le but de l'anticipation, et ça va aussi, non pas uniquement pour dire si je vais acheter une voiture électrique, une voiture à boîte automatique ou pas, mais c'est pour dire, vous l'avez souligné, à quel endroit vais-je aller habiter ? Quels sont mes besoins par rapport à ma famille, par rapport à mes amis, par rapport à mes envies de voyager, si j'ai envie de prendre l'avion, d'aller au bout du monde. Donc vraiment, utiliser ce moment de rupture sociale, et je pense que le moment de la retraite est sans doute un bon moment. Et après, il y a les ruptures physiologiques, je dirais, quand il y a un pépin de santé, et là je prêche pour la paroisse des professionnels de santé, repérer, parce que c'est très très peu fait, enfin on le voit, y compris dans les services de gériatrie, on repère très peu quels sont les besoins de mobilité et quelles sont les capacités. Et il faut être dans cette dynamique de promotion plutôt que de dire ben, vous ne savez plus faire, ça ne va pas aller, ça va être compliqué, il ne faut plus le faire. Eh bien non, il y a toujours, presque toujours une capacité restante et il faut être dans la promotion de cette capacité restante en disant ben, vous savez marcher 50 mètres, ben, on va faire en sorte que vous puissiez marcher 100 mètres. Vous avez peur de prendre votre voiture, eh bien on va faire en sorte que vous repreniez votre voiture, on va vous réapprendre. Je ne parle pas évidemment de la personne qui n'a plus que 2 ou 3 dixièmes de vision ou qui a une démence avérée, mais la plupart du temps, on peut, sans trop de problèmes, continuer à se déplacer, y compris en voiture, et même quand on est vieux. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis après, il y a des freins, vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, il y a une multitude de moyens. Alors là, encore une fois, ce n'est pas mon domaine d'expertise, je ne vais pas dire si c'est mieux de prévoir une aide humaine, une aide financière, un nouveau véhicule. Je pense que c'est probablement tout ça. Mais eh bien finalement ça existe, il y a une multitude de choses, mais les gens ne le connaissent pas. Et moi je vois sur le terrain, c'est vraiment une remarque de terrain, les gens disent « je vais me débrouiller ». Alors il faut chercher ce qu'il y a derrière ce « je vais me débrouiller », qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a de la fierté, on ne va pas dire si cette fierté est bien ou mal placée, mais il y a de la fierté parce qu'on est dans une société où il faut être le plus beau, le plus grand, le plus fort et le plus autonome possible, donc je vais me débrouiller. Mais il y a aussi des craintes. Quelles sont les craintes ? Eh bien, quand on propose, moi, en tant que médecin de terrain, quand on propose en disant, mais vous savez, il y a des aides par la ville, par le département, par la région, par l'État, une des premières craintes, c'est de dire, oui, mais il va falloir dire ce que je gagne, je vais remplir des papiers, j'ai pas envie que ça se sache. Donc, ça, c'est vraiment une première crainte. L'autre crainte, et elle est vraiment pas négligeable, notamment pour les personnes âgées, c'est de faire rentrer une personne qu'on connaît pas, une assistante sociale, un expert d'un domaine ou de l'autre, dans son domicile. C'est rentrer, faire rentrer quelqu'un dans un domicile, c'est entrer dans l'intimité. Et on a peur de montrer ce qu'on a, de montrer ce qu'on est, de montrer comment on vit. Donc, il faut probablement savoir utiliser un médiateur, un tiers de confiance, et je pense que les gens qui rentrent dans le domicile au domicile des patients, ce sont les professionnels de santé, les médecins, les infirmiers et les kinésithérapeutes. Et je pense que ce sont probablement des relais qu'il faut utiliser et mieux utiliser, non pas pour faire le travail. Moi, je ne suis pas assistant social, je n'ai pas la formation, je ne sais pas faire, je n'ai pas envie de faire et je n'ai pas le temps de faire, mais pour faire la présentation, si je puis dire, pour faire cet intermédiaire, pour faire rentrer les personnes compétentes dans le domicile. Alors, ça nécessite, encore une fois, et si un certain nombre de mes collègues m'écoutent, ils vont dire que je charge encore une fois la barque, mais ça veut dire que nous devons être informés, être en capacité de connaître, non pas tous les dispositifs, mais les personnes ressources, et de mettre en relation les personnes en besoin de nouvelles solutions de déplacement avec les personnes ressources. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément. Merci. Merci. Oui, un petit mot, Eric, rapidement. En réaction, pour développer la capacité restante en marche à pied, l'important de la politique des assises. Dire que pour recharger les batteries, c'est-à-dire qu'avoir des bancs sur les itinéraires piétons, sur les itinéraires qu'on a identifiés, pour pouvoir aussi augmenter, que ce ne soit pas une hantise de faire 200 mètres pour aller à un endroit ou 500 mètres, mais qu'on ait la garantie d'avoir sur ces itinéraires qu'on aurait identifiés la capacité de pouvoir reprendre son souffle, de s'asseoir pour repartir. C'est une augmentation de la capacité, du rayon d'action que l'on peut rendre disponible pour les personnes là. Et j'ai envie de poser la question juste comme ça. Est-ce qu'on aura des ordonnances avec 5 000 pas par jour, par exemple, demain ?
C'est peu probable, c'est un conseil. Encore qu'il commence à y avoir des remboursements, des prises en charge pour certaines formes d'activités sportives. Mais je pense qu'on est toujours très ambitieux quand on dit à une personne qui n'a jamais fait de gymnastique d'aller dans une salle. Mais non, il faut que le kinésithérapeute, au lieu de lui faire faire des mouvements et de l'aller dans une salle, fasse faire le tour du pâté de maison. Très clairement, très pragmatiquement, c'est pas noble, mais c'est tellement plus utile. Très bien. Merci beaucoup d'avoir apporté vos éclairages pour savoir comment on peut développer et améliorer les activités mises en place, notamment par WeMove. Nous allons maintenant accueillir Luc Boussy, qui a suivi donc vos échanges et qui va nous faire part de son avis. En tant que nouveau président de la filière Silver Eco et président de France Silver Eco. Bon, je vais être rapide. D'abord pour vous saluer, vous dire bonjour, et puis saluer la qualité vraiment des intervenants qu'on vient d'écouter avec passion. C'est la seule raison qui a permis d'exploser le compteur horaire. C'est parce qu'on était passionné par ce qu'ils disaient. Moi, j'ai beaucoup aimé le Jean-Pierre Coff de la mobilité, là, qui est extrêmement passionné. Et d'une manière générale, vous avez posé évidemment tous les bons sujets qui se posent, sachant qu'en même temps, et c'est une des difficultés, c'est que nous parlons de ces sujets entre nous. Mais c'est pas seulement le cas de nous. Les professionnels d'un sujet parlent généralement de ce sujet devant les autres professionnels du sujet. Donc notre enjeu, ça va être nous qui sommes sensibilisés, passionnés par ces sujets, de les imposer dans le débat public. C'est un des enjeux majeurs. D'ailleurs, le sujet de la mobilité, il est aussi beaucoup à la mode, au-delà de la mobilité des seniors. Ce week-end, il sera très à la mode. Non, mais je veux dire, je le dis presque sans rire, c'est-à-dire que au fond, toute une série de sujets que vous avez posés spécifiques aux seniors, trouve aussi une résonance, quel que soit le jugement qu'on a par ailleurs, sur les inquiétudes qui se posent ce week-end. Quand il y a des gens qui disent le prix de l'énergie, pour moi, c'est parce que moi, je suis en milieu périurbain, parce que moi, j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler. Ce sont des questions qu'on ne peut pas négliger. Donc, je veux dire, au-delà de la spécificité des sujets qu'on traite aujourd'hui, au fond, le sujet de la mobilité est en train, par un biais qu'on n'a peut-être pas imaginé, mais est en train de s'insérer dans et de s'imposer dans le débat public. D'une certaine manière, ce qui se passe ce week-end montre aussi ce que montre l'étude, c'est-à-dire que, évidemment, mais ça vous le saviez avant cette étude, mais c'est bien d'avoir des chiffres pour l'illustrer, c'est que la question de la mobilité, la variable d'ajustement n'est pas que l'âge, c'est évidemment aussi les revenus, c'est évidemment le critère social. Comme à chaque fois d'ailleurs, comme sur tous les sujets relatifs au grand âge, eh bien vaut mieux être vieux malade et riche que vieux malade et pauvre. Y compris sur le sujet de la mobilité. La mobilité des seniors, c'est au fond aussi un sujet qui a été un angle mort. C'est un sujet de mobilité, ça aussi. Bon. Parce que, Florence a été positive, comme elle l'est toujours, et elle a raison, parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Bon. Mais la réalité, c'est que quand les assises de la mobilité se sont mises en place, il n'y avait pas les seniors. Il a fallu une tribune brillante de Florence dans la presse, il a fallu du lobbying, il a fallu faire pression. Mais naturellement, ne racontons pas l'histoire. La ministre des Transports, quelle qu'elle soit d'ailleurs, n'avait pas inscrit dans le calendrier des assises de la mobilité la question des seniors. Il a fallu là aussi la pousser. J'ai toujours d'ailleurs adoré l'oxymore que vous avez rappelé là, entre les assises et la mobilité, avoir appelé le grand rendez-vous de la mobilité des assises, c'est assez drôle. Et puis, en même temps, quand on va voir du côté du ministère de la Santé et qu'on regarde les plans qui, aujourd'hui, sont en train d'être développés, il n'y a pas la mobilité. On parle de la problème majeur, de la dépendance, de la perte d'autonomie, des EHPAD. On est bien loin de la mobilité, là. Hein. Enfin, c'est la mobilité en fauteuil roulant, mais... Donc, quand je dis que c'est un angle mort, c'est que au ministère des Transports, on ne s'occupe pas tellement des vieux, et au ministère des Vieux, on ne s'occupe pas tellement des transports. Et ça fait partie de ces sujets, comme beaucoup d'autres.
Et moi, j'avais commis, alors tout le monde l'a oublié maintenant, à part Florence Gilbert, j'ai commis un rapport interministériel en 2013 sur l'adaptation de la société au vieillissement, où je m'étais permis d'évoquer ces sujets-là. Non pas parce que j'étais un sachant, mais j'avais pris, les écrits de tous ceux qui savent, et j'avais essayé de les synthétiser. Et au fond, à chaque fois, on a trouvé ces problèmes de gouvernance. J'avais essayé d'esquisser quatre cercles concentriques. Le logement, le quartier, la ville, le territoire. Le logement, parce que je considère qu'avec la mobilité, c'est une des deux conditions sine qua non de l'autonomie des personnes âgées. Un logement adapté, c'est la meilleure façon de vivre sa vie de manière autonome et surtout de vivre le plus longtemps possible. Alors que un logement inadapté, un logement où on se casse la figure dans l'escalier, où on multiplie les fractures du col de fémur, c'est évidemment un logement inadapté. Le quartier, c'est pas une entité administrative, mais le quartier est au cœur de l'étude qu'on a vue au début. Le quartier, c'est au fond ce que ont mesuré les géographes. Une personne âgée sans voiture, c'est 300 à 400 mètres, 500 mètres de rayon d'action à pied. Et donc demain, il faut penser la ville, le quartier, l'aménagement de l'urbanisme de telle manière que une personne âgée vive dans ce périmètre où elle pourra trouver évidemment les conditions de sa mobilité, les transports publics, mais aussi évidemment la pharmacie, la boulangerie. La ville, vous l'avez dit, là aussi les maires ne sont pas encore suffisamment sensibilisés à ces questions-là. On va parler du mobilier urbain. Le mobilier urbain, c'était, je racontais l'histoire des bancs publics. Les bancs publics, c'était là où se bécotaient les amoureux dans les années 50, à Brassens. Et puis dans les années 80-90, on a estimé que les bancs publics, c'était pour les jeunes qui faisaient du bruit et pour les SDF qui dormaient dessus. Bon. Et donc on a inventé un truc révolutionnaire qui s'appelle l'assis debout. C'est qui pour les personnes âgées reste quand même le meilleur moyen de se retrouver couché à la fin. Bon. On a inventé un mobilier urbain qui a voulu éviter les pauvres et les jeunes, et qui a oublié les plus âgés. Donc, tout ça, est-ce qu'aujourd'hui un maire, lorsque j'ai été maire adjoint, j'ai même été conseiller général, vous voyez, chère Véronique, voyez, donc j'ai eu à traiter aussi la question du transport adapté, qui est encore autre chose, mais dans les villes, les maires, quand ils font un appel d'offres sur le mobilier urbain, est-ce qu'il y a une partie de leur cerveau qui pense à la question spécifique du vieillissement? Parfois oui, parfois non. En tout cas, rien ne les oblige à y penser. Et donc voilà, et sur l'ensemble de ces sujets, on a du mal à trouver un mode de gouvernance où le bailleur social pense à l'adaptation au vieillissement, où dans un quartier, on a du mal à imaginer la place de la personne âgée, et où le maire, lorsqu'il va évoquer la question du mobilier urbain, lorsqu'il va penser le mobilier urbain dans sa ville, eh bien, n'aura pas toujours l'idée aura parfois l'idée du handicap, mais pas du vieillissement. Et c'est pas la même chose. La question de l'accessibilité des personnes handicapées est une question politique qui a été prise avec des hauts et des bas, mais enfin qui a été prise à bras-le-corps, si j'ose dire. La question de l'adaptation du vieillissement, c'est pas tout à fait la même chose. Ne se réduit pas l'accessibilité. Vaut mieux que l'appartement soit accessible, mais ça ne suffit pas. Et là, on revient à la mobilité. Un logement accessible à 10 km d'une boulangerie, il est accessible pour une personne handicapée qui peut avoir un véhicule, il n'est pas adapté pour une personne âgée qui n'a plus de véhicule. Donc là encore, entre handicap et vieillissement, il y a des différences d'appréciation. Alors, une fois dit tout cela, comme ça a été dit, moi je préside une association qui s'appelle France Silver Eco depuis 2014, et puis depuis un mois, puisque là c'est tout chaud, la ministre Agnès Buzyn a relancé la filière Silver Economy et m'en a nommé président, pilote, enfin, comme on veut. Pilote, c'est mieux pour la mobilité. Et donc, on va retravailler sur ces sujets-là. On va retravailler. Moi, j'ai pour l'instant découpé trois gros thèmes pour que la filière avance dans les prochains mois de manière extrêmement concrète. Et parmi ces trois thèmes, il y a celui des territoires, de l'urbanisme, de l'habitat et de la mobilité. Tous les sujets que je viens d'évoquer, qu'on va essayer de traiter un peu en bloc et en cohérence. Florence va y participer largement, puisque elle est même
porte-parole de la filière dans cet organigramme nouveau qu'on a mis en place. Le prochain Conseil national de la Silver Economy se réunit le 5 décembre prochain, et donc on va acter les grandes priorités de cette filière qu'on remettra à la ministre à la fin de l'année. Donc c'est le moment où on va pouvoir enfin recommencer à travailler. On l'avait fait un petit peu au moment de la loi ASV, il y a eu une pause, on va retravailler là-dessus, parce que c'est dans la filière, pour les raisons que je viens d'évoquer, que pourront se traiter ces sujets. On pourra toujours faire des réunions absolument passionnantes comme ce matin, où les spécialistes de la mobilité parlent aux spécialistes de la mobilité, mais vous voyez bien que si on veut que ça avance et si on veut influer sur les politiques publiques, eh bien il faut que dans la salle il y ait les spécialistes du logement, les spécialistes de l'habitat, les spécialistes de l'urbanisme, les spécialistes de l'aménagement du territoire, parce que là encore on ne vieillira pas de la même façon. Je vous recommande une formidable étude, souvent d'ailleurs elles sont formidables et personne ne les lit, mais une formidable étude du Commissariat général à l'égalité des territoires, sortie en janvier dernier sur territoire et vieillissement, c'est absolument passionnant. Et là encore, la question de la mobilité se pose pas de la même façon en plein cœur de Toulouse et dans les environnements plus ruraux ou montagneux. Et donc c'est dans le cadre de cette filière qu'on va tenter de réunir l'ensemble de ces acteurs. Le groupe de travail dans lequel que Florence va animer, l'animera avec une conseillère régionale chargée de la santé de la silver economy dans sa région. Elle va également l'animer avec je ne sais plus qui. Et évidemment le président du réseau Ville Amis des Aînés, pour que, une fois de plus, là aussi, les villes soient pleinement partie prenante et les maires pleinement partie prenante de ces réflexions. Donc on espère que dans l'année 2019, autour de cela, on va avancer. Il y a la filière et puis il y a la loi. Je veux redire cela parce qu'on n'en a pas parlé. Moi, j'ai été, à travers le rapport interministériel que j'avais produit, un des artisans de cette loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et moi, je ne suis pas mécontent qu'on ait soulevé des nouveaux sujets dans la loi. L'adaptation de la mobilité, du logement, de l'habitat, tout ça, c'est des sujets qui n'étaient pas jusqu'à maintenant dans le champ des politiques personnes âgées, et désormais, ça l'est. Mais la loi SV, elle est quand même faiblarde. Voilà. Il y a plein de points sur lesquels, aujourd'hui, elle nécessite d'être renforcée. Par exemple, nous avons mis dans la loi l'obligation pour les maires de mettre dans les plans de déplacement urbain, les PLU, les PLH, de mettre un chapitre sur le vieillissement. Personne n'est capable aujourd'hui en France de savoir si c'est respecté ou pas, puisqu'il n'y a aucune sanction, il n'y a pas eu de décret d'application. Donc oui, on a des quelques bonnes idées comme ça, mais en réalité, on est 2-3 ans après, dans l'incapacité totale de savoir si tout ça a infusé la société ou pas. Donc je pense que la loi, puisque loi il va y avoir en 2019, Emmanuel Macron l'a annoncé. Alors il avait annoncé au début une loi sur le financement de la perte d'autonomie. C'est une loi qui va être beaucoup plus large. Puisque les groupes de travail qui ont été mis en place sont vraiment extrêmement panoramiques. Grosso modo, c'est une loi sur le grand âge et on va pouvoir y mettre tout ce qu'on veut. Donc c'est le moment de réfléchir vraiment, parce que je crois que vraiment la page est blanche et le gouvernement là-dessus semble assez ouvert puisqu'il ne vient pas avec un projet tout ficelé. Donc sur nos questions, il faut réfléchir dès maintenant. Et la filière va y participer, mais vous allez y participer également là où vous êtes, pour que dans la loi de 2019, il y ait les éléments qui, après la loi ASV, nous paraissent ne pas avoir été suffisamment ficelées ou bien pas suffisamment contraignantes. Des fois, il faudra cela. Voilà. Je pense notamment, je le dis devant la conseillère départementale, la conférence des financeurs de la prévention dans les départements, au bout de 2 ans, le bilan était extrêmement contrasté. Certaines marchent pas mal, d'autres sont nullissimes. Voilà. Et donc, on peut pas se dire, tiens, on va attendre encore 10 ans pour savoir si c'est vraiment nul. Bon, non, je crois vraiment tout de suite, il faut, là-dessus, la conférence des financeurs, c'est vraiment une bonne initiative, mais tout de suite, il faut la recadrer en fonction déjà du bilan qu'on a depuis 2 ans, et sur les questions d'urbanisme, d'habitat, de mobilité, on a posé les jalons dans la loi SV, mais on n'a pas aujourd'hui, une efficacité redoutable de ces dispositifs, donc c'est le moment. C'est le moment, en parlant avec les uns et les autres, en impliquant les élus, de faire en sorte que dans la loi, il puisse y avoir de nouvelles avancées. Voilà, en 5-7 minutes, même peut-être un peu plus, ce que je voulais dire. Mais vous voyez, vous avez le vecteur législatif, vous avez le vecteur de la filière. C'est quoi le vecteur de la filière? C'est les acteurs qui se mettent à discuter entre eux. La filière qu'on réunit avec Florence le 5 décembre prochain, il n'y a pas de représentant de l'État. Ce ne sont que des acteurs, des élus locaux, des industriels, des associations, des fédérations, qui,
vont se prendre par la main pour faire vivre cette filière qui, au fond, est la façon d'adapter la société au vieillissement. Merci beaucoup, Luc Broussy. Merci. Merci pour vos applaudissements aussi. Alors oui, effectivement, le temps a un peu dépassé. Je propose quand même que s'il y a une ou deux questions à chaud maintenant que vous souhaitez poser, on les pose. Bien sûr, après, on pourra continuer d'échanger une fois ce rendez-vous terminé. Est-ce qu'il y a une ou deux questions là, tout de suite, maintenant, que vous souhaiteriez poser? Donc, Stéphane Blanchard, de l'Agence de développement économique de la région Occitanie. Donc, en fait, je profite et je rebondis sur l'intervention de M. Broussy sur la structuration de la filière Silver Economy qui se passe au niveau national. De la même façon, au niveau régional, on a une dynamique qui s'est enclenchée. On a profité de la fusion des régions il y a quelques années maintenant pour refaire un bilan au niveau de l'Occitanie de ce qui est le constat aujourd'hui de la réalité du territoire. On a parlé aujourd'hui des problèmes de mobilité au niveau de l'urbain, au niveau du rural. On a un territoire en Occitanie qui a des problématiques aussi autres, qui est lié à l'isolement, qui sont les territoires montagneux et les territoires de littoral, où les problématiques sont encore différentes. On a vu que la problématique de mobilité était sensiblement identique en milieu rural et en milieu urbain, mais les solutions ne seront pas les mêmes. Et l'isolement ne sont pas dus aux mêmes choses. Et nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, à travers cette dynamique-là, c'est trouver les solutions de demain qui seront adaptées aux problématiques des seniors, tant dans la mobilité, qui ressort de l'étude que l'on a réalisée, mais sur tous les autres types de solutions, sur l'accès aux services, l'accès au commerce, l'alimentation, l'adaptation du mobilier urbain, les aides techniques, l'ensemble de ces choses-là. Donc, vous dire que la région Occitanie est réellement engagée sur cette filière-là, qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place autour d'un groupe de travail qui regroupe aujourd'hui, en fait, au fur et à mesure, plusieurs dizaines de structures représentative de vraiment l'ensemble de la filière, associations, économie sociale et solidaire, grandes entreprises, petites entreprises, mutuelles, H2R en fait partie, d'ici début d'année, une feuille de route sera également remise à la région pour que la région occitanique puisse se positionner et structurer vraiment une démarche destinée à trouver les solutions de demain pour les seniors et faire en sorte qu'il y ait une fédération des acteurs, une information, une communication qui soit réalisée pour les professionnels et in fine pour les seniors. Merci monsieur pour vos précisions, ça fait plaisir d'avoir tout cet engouement partagé. Bah écoutez, je propose donc qu'on passe à la deuxième table ronde. Je vais remercier très chaleureusement donc Luc Broussy de la filière Silver Eco, Véronique Volto du département Haute-Garonne, Éric Chavéron pour Keolis, Philippe Loïc de ACMF et CNSR et Julie Catala pour WeMove. Merci.